Good morning, Aleid et Nesusra. Aujourd'hui, le Lonishmat avant de Chai Ben Yitzhak, Vefani David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvora Batester, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sarat Ktubot, Perektet, Mishnah Gemel. Inyar Perot Tlushin Minakarka, Kola Kodem, Zachabaen. Zachta Isha, Yoter Miktubata. Obalchov Yoter Alchovo. Hamotar, Rabbi Tarfan Omer, et Natnou la Koshel, Sheben. Rabbi Akiva Omer, une Mishnah qui continue la situation de la Mishnah précédente. Et on rappelle très rapidement, on parle qu'en fait, il y avait Yaakov qui avait d'abord, il devait de l'argent à quelqu'un. Il a à part ça, on décède, lorsqu'il décède, il doit aussi maintenant payer une ktouba à sa femme, Rachel. Et en plus de ça, il a aussi des héritiers. Naturel, Reuven et Shimon. D'accord. Et la question de la Mishnah précédente, elle était de savoir qu'il y avait en fait quelqu'un qui venait, qui disait que votre père, avant de partir, il avait déposé en gage chez moi quelque chose, à qui je le rends. Et sur ça, on avait une marloquette de Rabbi Tarfon Rabbi Akiva. Maintenant, on va avoir une nouvelle marloquette de Rabbi Tarfon Rabbi Akiva avec quelque chose d'un petit peu différent. Cette fois-ci, le père, il avait pas. C'est pas qu'il avait de l'argent à l'extérieur, c'est qu'il avait de l'argent à l'intérieur, il avait laissé des biens. Il avait laissé quoi plutôt? Pas des biens, il avait laissé des fruits. Il venait justement de cueillir tout son champ de poire, et il a maintenant 4 tonnes de poire. À qui doit-il les... Qui est en droit de venir les prendre? Alors regardez la Mishnah, ce qu'elle me dit. « Inyar perot tlushin minakarka » Si elle a laissé des biens qui sont maintenant coupés du sol, parce que s'ils sont encore sur le sol, alors forcément ça reste des biens immobiliers, et dans ce cas-là, chacun a un droit dessus. Mais là, on parle de biens mobiliers, et même plus que ça. Il y a même un avis qui pense qu'ils étaient... Ils n'étaient même pas dans la propriété, ils étaient posés dans la rue. Si c'est dans la propriété, c'est différent, ça va appartenir directement aux héritiers. Mais si ils sont posés dans la rue maintenant, eh bien la Mishnah me dit, regardez, Kola Kodem Zachabaen, tout celui qui va devancer, qui va venir les saisir le plus vite, il sera en droit de les garder. Soit, ça on est pour le moment selon le premier avis, ça va vite un peu. On va voir que ce ne sera pas exact le premier avis qui va, mais pour le moment on parle comme ça. Le père décède. Il y a maintenant un argent potentiel qui n'est pas dans la propriété. J'insiste. S'il était dans la propriété du père, dès que le père décède, c'est les deux héritiers, Reuven et Shimon, qui rentrent directement en possession de son bien, et dans ce cas-là, qui vont forcément détenir maintenant les biens mobiliers que le père a laissés. Plus personne ne pourra toucher ces biens mobiliers. Ça appartient aux héritiers. Les héritiers n'ont pas de devoir de payer la ktouba, ni les dettes du père, des biens mobiliers. Ils ont peut-être une mitzvah de le faire, mais ils n'ont pas d'obligation de le faire. De ce fait, on ne pourra pas saisir ces biens. Mais là, on parle que les biens n'étaient pas dans leur propriété, mais ils étaient dans la rue. Dans ce cas-là, ils ne sont pas encore dans leurs biens. Et maintenant, le père décède, et du coup, quand les trois, ils sont là, le créancier, en train de pleurer, et qui va organiser la levaya, d'un coup, ils se disent « Ouais, il a laissé de l'argent dehors, on oublie tout directement, et on court dehors pour commencer à saisir les fruits. » C'est comme ça que ça se passe selon Rabbi Tarfon. Et bien, le premier qui aura saisi les fruits, ce sera pour lui. D'accord ? Kolakodem Zachabaen. Tout celui qui va devancer et qui va acquérir en premier, ce sera à lui. Zartaïcha, Yoter Miktubata. Maintenant, la femme, elle est partie, elle a tout pris, tous les fruits. Mais en réalité, le père, il devait 100 000 à la femme. Elle a pris pour 150 000 de fruits. Qu'est-ce qu'elle fait avec les 50 000 supplémentaires ? Ou encore, au Balchov, Yoter Alchovo. Le Balchov, il en a pris plus que ce qu'il devait. Il devait lui aussi, il devait récupérer 80 000, il a pris 150 000, il a 70 000 de plus. Qu'est-ce qu'il fait avec le supplément? Hamotar, le supplément qui lui reste, à qui il le donne? Rabbi Tarfon Omer, Natnou la Koshel Meshavayim. Même principe que la Mishnah précédente, Rabbi Tarfon nous dit qu'il faudra donner le supplément au Koshel Shebayim, à celui qui a le pouvoir le plus faible, qui a le moins de pouvoir. Soit, deux avis, comme on avait dit, soit la femme, parce que la femme, elle est faible, elle n'est pas de nature à partir de se battre avec des créanciers pour récupérer son argent, donc du coup, viens, laisse-lui vite le maximum que tu peux lui laisser en main. Ou soit, au contraire, ce sera le Balchov. Ce sera le Balchov qui a un shtar le plus tardif, comme ça on a expliqué. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva nous dit non, En Merachamin Bedin. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de grâce et de pitié et de miséricorde lorsqu'on fait du jugement, au jugement. Lorsqu'on doit trancher une halakha, on tranche une halakha. Même si ça va faire mal aux pauvres et que le riche, il va être très content. Et il n'est pas question maintenant de faire de Robin des Bois, pas du tout. Celui qui revient de droit, on donne.
il ne servira pas de droit, on ne donnera pas. De ce fait, elle a inatno l'origine, mais plutôt il faudra donc donner aux héritiers, mais en réalité, c'est pas qu'il faudra donner aux héritiers le supplément. Même tout ce qu'ils ont saisi après la mort du père, ça ne marche pas, parce que dès que le père décède, les héritiers rentrent directement en possession des biens du père, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qu'ils soient dans la propriété ou qu'ils soient à l'extérieur, ça appartient directement aux enfants, on ne peut plus leur retirer ça, même le capital, mais pas que le supplément. D'accord? Et c'est pour ça, et pourquoi la force des Yorshim, des héritiers, elle est tellement forte? Parce que chez Kulam Zechin Joua, parce que tous doivent venir se faire payer leurs créances en jurant auparavant. Tandis que Vena Yorshim Zechin Joua, alors que les héritiers n'ont jamais besoin de jurer, soit je m'explique un petit peu mieux, lorsque les héritiers héritent de leur père, ça leur appartient, ils n'ont pas besoin de jurer, c'est bien évidemment. Par contre, lorsque la femme veut venir se faire payer la Ktouba, ou lorsque le créancier veut se faire payer sa dette, eux, ils doivent jurer que même s'il y a écrit que ton père, il me doit, et que si j'ai un shtar dans les mains, c'est qu'il ne m'a pas encore payé, et bien malgré tout, on va me demander de jurer, jure réellement qu'il ne t'a pas payé, qu'il ne t'a pas laissé un gage dans les mains, et dans ce cas-là, puisque donc ça affaiblit en fait qu'en fait, ça prouve bien que celui qui détient naturellement les biens du père, ce sont les héritiers, et de ce fait, on les laisse aux héritiers, et ils n'ont pas d'obligation de payer ses dettes. Et du père, et voilà. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha comme tout. Salam.